Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde, pardon. C'est Abi Hafsa Blali. Je suis cofondateur et CTO de l'application Sportma. كلنا كنبغيو نديرو الرياضه مي ديما كيكون عندنا واحد المشكل اللي هو اما ما كنلقاوش لي زاكتيفيتي اللي قراب لينا اما ما كنلقاوش مع من براتيكو لو سبور واليوم جبنا لكم حنا واحد لا سوليوشن كي كومبليت سا فو دير كو لو بروسيس اي لي كلود ان تو ان اللي هي سبورما بالنسبه لينا سبورما سي اون سوليوشن اللي جات اجوردي باش تحل المشكل ديال لا ريزيرفاسيون داكتيفيتي سبورتيف. C'est une solution qui complète fait la réservation des activités sportives, fait le paiement à 100%, fait social media sportif dédié au sport, ou fait e-sport, ou fait le coaching. On a assemblé tout ça. Voilà, là, c'est la démonstration de l'application. Elle est déjà, on a commencé, ça fait 5 mois, en bêta testing. Là, c'est l'image qui montre le feed. Là, les activités, comment ça se passe. Là, pour les coachs, on a aussi du service coaching. Là, c'est la communauté, les communautés. Là, les sporteurs, c'est l'équivalent des followers, les autres social media, en fait. On a une wallet qui est dédiée pour la réservation et le paiement aussi. Nisbal, la taille du marché, on est à 6,9 milliards de dollars pour l'Afrique en 2024. Comme chiffre d'affaires. Pour le Maroc, pour toute la partie sport, en fait, c'est 1,56 milliard de dollars. Et pour la vision de Sportma pour les 3 ans prochains, Inch'Allah, on vise à toucher 3,5 millions de dollars. Mais le business model, il se base sur 2 axes. On est en B2C et en B2B. On est commissionné par rapport au B2C pour les réservations entre 10 et 20%. Et on a aussi un système SaaS parce que quand on est descendu sur le terrain, on a remarqué qu'il y a un vrai besoin en système de gestion pour les salles de sport, pour les terrains et tout ça. Et on a commencé à développer le système qui sera opérationnel d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est par des abonnements mensuels, en fait, pour le paiement. Les chiffres clés jusqu'à aujourd'hui, on est à 2500 utilisateurs. Dont 1500 actifs sur les réseaux sociaux. On est sur du football, du gym, du paddle pour l'instant et du cycling et de l'event aussi parce qu'on a la vente de tickets et des événements sportifs. On est à plus de 25 partenaires qui sont opérationnels, plus de 15 coachs jusqu'à aujourd'hui. Le paiement via carte et après on a 8800 agences dans le Maroc, dans Berit Cash, dans Mancash pour pouvoir, en fait, pour pouvoir alimenter la wallet. Ici, c'est la roadmap 2024-2026. En 2024-2025, voilà les chiffres que nous allons atteindre, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, avec le chiffre d'affaires 5 millions de dirhams. Pour l'acquisition des partenaires, c'est toujours en marche. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Mais. Shukran. Merci beaucoup. Bonjour, salam alaykoum, vous m'entendez ? Juste une petite question, est-ce qu'il y a une application qui ressemble un petit peu à la vôtre, qui est à l'international, d'après, enfin, à cartonner, et qui pourrait être une forme d'exemple pour vous, ou une forme d'inspiration, d'une application qui fait à peu près la même chose que vous ailleurs, et qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur dans le pays dans lequel elle est. En fait, il y a des applications au niveau de la région MENA, mais qui ne regroupent pas en fait tous les services. Nous avons travaillé sur un écosystème sportif, c'est-à-dire qui est dédié à 100%. C'est un guichet unique, en fait. Tout ce qu'on a besoin dans le domaine du sport, il est sur Sportma. C'est ce qu'on a visé, en fait. Pas les réservations seules, mais aussi l'environnement social media, les événements. Ça veut dire qu'on a mis un écosystème sportif pour les pratiquants du sport, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une entreprise, quand même, dans le monde que vous... qui vous inspire, enfin, qui fait pareil que vous, qui est un concurrent sérieux, par exemple, s'il venait à venir au Maroc. S'il y a quand même une boîte, ou pour vous, il n'y a aucune boîte. Non. D'accord.
Salam alaikum. Peut-être juste une petite question sur l'écosystème que vous avez créé. Vous avez une quarantaine de partenaires, c'est ça? C'est des salles... 25 partenaires. Et c'est quelle est la typologie de ces C'est des terrains de sport, des terrains de paddle, c'est des salles de gym. On a aussi des coachs certifiés qui sont... Donc derrière, sur la partie... Sur la collaboration que vous menez avec eux, du coup, vous, vous les digitalisez en quelque sorte, c'est-à-dire vous, leur, oui, vous leur proposez un operating system pour la partie tout réservation. Tout à fait, parce qu'on a détecté le besoin chez eux, en fait. Ils n'ont pas, la plupart n'ont pas de système, la plupart de nos partenaires. Et donc le business model, c'est, se base uniquement sur des cuts que vous prenez sur les réservations qui passent par Sportma. Non, on a deux. Il y a un setup fee. Deux. Ça veut dire qu'on a, on a la partie commissionnement et on a la partie abonnement. Sur le système, en fait. D'accord. Donc le système, c'est par abonnement, c'est, ouais, c'est par abonnement mensuel. Donc, c'est un abonnement SaaS. Un abonnement SaaS mensuel, oui. Qui justifie la digitalisation de l'operating system de la réservation. Tout à fait, oui. Très bien. Ouais. Okay. Parfait. Oui, une question. Qu'est-ce qui m'empêcherait, moi, partenaire, de créer mon propre, je dirais... site internet et fidéliser mes propres clients sans partager la marge en quelque sorte avec vous. Ouais. Ce qui va fidéliser les clients, c'est surtout c'est la communauté en fait. Parce que nous, on génère du trafic pour eux. Et on leur génère du trafic. Parce que la plupart, si on se base, par exemple, on a commencé à opérer sur la région de Casablanca, Bouskoura, on a pu détecter des terrains où on ne pouvait même pas imaginer qu'il en existait, en fait. Parce que sur Sportma, le point fort, c'est quoi? C'est qu'il y a un GPS intégré. Ça veut dire, moi, je suis dans cette position aujourd'hui. Je lance la map, elle me donne toutes les activités qui sont à côté. Je peux réserver en moins d'une minute. Je clique sur la map, je lance le Waze ou Google Maps et je me dirige chez le prestataire. Et on a encore un point fort, c'est qu'on a l'accès aux séances de test à partir de 25 dirhams, une séance de fitness. Ça veut dire qu'il peut tester sans payer un abonnement, en fait. S'engager pour 2 ans ou 3 ans, et après, il va pas aimer la salle, un truc comme ça. Ouais. Mais justement, dans cette continuité-là, quel est votre taux de conversion sur le nombre d'utilisateurs que vous avez? C'est-à-dire le nombre d'utilisateurs que vous avez annoncé, ils sont tous des utilisateurs payants? On a 1500 qui sont actifs, et on a lancé, parce qu'on est toujours en test. C'est-à-dire le lancement, il est prévu dans 2 à 3 mois. Voilà. Et sur 1500, vous convertissez combien? On a eu un chiffre d'affaires à peu près de 30 000 dirhams. On a lancé les réservations juste pour une semaine, juste pour valider le système de paiement, en fait. C'est ça. Et après, on n'a pas encore lancé ni d'advertising, ni rien du tout. C'est en organique, tout ça. Ça veut dire 2500 utilisateurs, c'est juste en organique. On n'a ni publicité, ni marketing, ni rien du tout. Pour l'acquisition, je parle d'acquisition déjà. Oui, mais je voulais juste savoir quel est le chiffre d'affaires moyen par utilisateur. Le chiffre d'affaires moyen par utilisateur. On a passé une centaine à peu près, une centaine de réservations. Par Alors, une petite question. Moi, sportif, si je veux par exemple faire du paddle, j'ai besoin de 3 autres partenaires et j'ai besoin de trouver le terrain qui soit... le plus proche de chez moi à l'heure que je veux. Comment est-ce que vous allez m'aider? On a normalement, pour les terrains, ils sont gérés par un planning qui est partagé entre nous et le partenaire. C'est-à-dire, on a 2 applications, en fait. Une application qui est dédiée client et une application qui est dédiée partenaire. Ça veut dire, quand vous entrez, par exemple, et vous lancez votre recherche à côté, où vous avez, par exemple, une idée d'un terrain ou d'un prestataire de service, vous lancez le nom par exemple sur la barre de recherche, vous avez les terrains disponibles. Vous lancez juste l'heure et il va vous donner directement cette heure, elle est disponible sur quel terrain en fait. Parce que le planning, il est géré par terrain. Et automatiquement, quand vous réservez, vous payez, ça disparaît automatiquement du planning chez le prestataire. Lui, s'il vend un truc, s'il vend une réservation sur place, ça disparaît sur le planning client. Ça synchronise en temps réel. Mais j'ai besoin de trouver 3 autres partenaires. 3 autres personnes, en fait, on est sur... ça va passer sur la version 2. On va travailler sur du matchmaking à l'aide de l'IA. On est en train de le développer. Oui. Dernière question. Est-ce que vous avez un process de qualification des partenaires et un système de scoring expérience client? Tout à fait. Il sera prêt sur la version 2.
le système de qualification, on a déjà un cahier de charge avec lequel on choisit nos prestataires. Même les coachs aussi, c'est la même chose. Et pour le système de scoring, il sera, ça veut dire qu'on aura des feedbacks clients, en fait, qui vont noter les prestataires, d'après leur expérience. C'est pour ça qu'on avait mis la séance de test. Ça veut dire qu'on ne s'engage pas dans un abonnement long terme si on ne teste pas, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Shukran. Merci à vous aussi. Merci. Shukran Lik. معكم كل يوم